Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo en extérieur. Et oui, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale auquel je vais donc vous parler de Boursorama Prime. Le Boursorama Prime, l'offre à 9,90€ que vous avez peut-être souscrite et auquel vous sollicitez savoir si c'est valable ou pas. Mais on va regarder un petit peu les trois offres principales de chez Boursorama Prime et vous dire tout simplement si tout est bon pour vous avec Boursorama Prime. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite sous la vidéo de cliquer sur le petit onglet magasin auquel vous allez voir il y a des petits articles, des t-shirts, des suites à capuche, des tasses et une petite affichette autocollante si vous souhaitez contribuer. C'est pas une obligation, mais ce qui me permettrait pour moi de voir que vous êtes satisfait de mon travail et que vous appréciez ce que je fais pour la chaîne en contribuant. Voilà, donc on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Boursorama Banque, la banque en ligne la moins chère depuis plus de 16 ans, qui nous vient de la maison mère Société Générale, que vous voyez ici, qui apporte donc une offre déjà pour vos enfants, si vous sollicitez ouvrir un compte à vos enfants, et qui vous apportera donc trois offres pour vous. Une offre Welcome avec une carte bleue que vous voyez ici, une Visa Welcome comme on l'appelle, qui vous apportera donc les paiements et les retraits jusqu'au plafond que vous avez défini sur votre carte bancaire, qui sont définis par un début, c'est-à-dire 1000 euros, et qui après c'est vous qui augmentez vos plafonds selon vos ressources. Vous aurez défini ce plafond, vous aurez donc les paiements et les retraits gratuits. Ensuite, vous aurez un paiement à l'étranger gratuit, c'est-à-dire un retrait. Voilà, je dis un paiement, c'est un retrait gratuit. Et après, vous payerez 1,69%. Les paiements à l'étranger sont totalement gratuits. Donc, vous n'avez pas à vous soucier des paiements. Avec la Welcome, vous aurez donc des assurances de la Visa Classic qui sont le rapatriement, le ski, la montagne et le médical. Avec Boursorama, vous avez une offre ultime, celle qui a été longtemps sollicitée comme étant la remplaçante de la Visa Première, qui vous apporte donc les paiements et les retraits gratuits en Europe et trois retraits gratuits. Après, en international, vous aurez donc les paiements gratuits en international et vous aurez donc les assurances de la Visa Première. Le retard de vol qu'on rajoutera en plus du médical, du ski et de la montagne. On rajoutera aussi la location de véhicules et on rajoutera tout un autre tas de assurances. Voilà, c'est vous qui avez dit le truc, c'est moi qui ai terminé. Voilà, c'est de l'humour. Ensuite, vous aurez une métal qui est donc une carte métallique de 18 grammes, qui est donc l'offre métal à 9,90€, la seule payante chez Boursorama, Boursorama. Pour ceux qui l'appellent encore Boursorama, c'est Boursorama, qui vous apportera donc cette fois-ci la totalité de vos paiements et de vos frais partout dans le monde et qui rajoutera des assurances plus haut de gamme que la Visa Ultime, qui est donc les mêmes que la Visa Ultime mais plus élevée, donc vous n'aurez pas à vous soucier. Et on rajoutera le salon d'aéroport. Il y a quelques mois, Boursorama est donc passé pour devenir Boursorama, puisqu'elle nous a entendu qu'on l'appelait Bourso et banque pour faire à la façon anglaise. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle a évolué en tant que Boursorama, elle a évolué pour se rentabiliser, se faire du chiffre et du client. Mais c'est en cette fin d'année qu'elle nous a sorti la fameuse option, une petite option que vous pouvez souscrire pour 9,90€, quelle que soit l'offre que vous disposez, l'offre Boursorama. L'offre Boursorama, ce qui va nous intéresser le plus dans cette offre, c'est les trois points que je vais vous citer ici. Le cashback à 1%. Le cashback à 1% sur les paiements que vous faites, vous avez du cashback à 1%. Vous aurez donc un livret à 4,85%. Livret Boursorama Plus, le livret qui remplacera le livret A chez Boursorama Banque. Et vous aurez donc le service client dédié auquel vous pourrez l'appeler, car en offre standard sans cette offre Boursorama Prime, vous ne pouvez donc disposer d'un service client. Service client qui est donc aux abonnés presque absents, puisqu'il faut savoir qu'il faut attendre parfois des jours, des heures et des minutes pour avoir ce service client, et que cette fois-ci, avec Boursorama Prime, vous pourrez donc avoir directement ce service client
dédié. Alors, Bourse Prime est-elle valable pour vous qui êtes client, quelle que soit l'offre, qu'elle soit secondaire ou qu'elle soit principale? Je dirais que oui, car avec cette offre, on récupère 1% de cashback sur ses paiements. Ça, c'est une très bonne chose. En ces temps d'inflation, de se récupérer un petit peu d'argent, c'est une très bonne chose d'avoir 1% de cashback. Bourse Prime, le livret Bourse Plus. Un livret Bourse Plus qui vous fera mettre de l'argent de côté. C'est très important en ces temps d'inflation d'avoir un petit pécule d'argent de côté, d'avoir au moins 3 à 6 mois de salaire de côté et de continuer à mettre un petit peu d'argent pour soi à acheter un bien ou bien tout simplement penser à sa retraite. Car la retraite, maintenant, on sait qu'il faut travailler plus pour être en retraite. Comme dit le gouvernement, la retraite à 64 ans, à taux plein, et vous pourrez partir pleinement avec l'argent complet sur votre compte. Mais là encore, c'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère, car quand le gouvernement nous annonce quelque chose comme ça, on sait très bien que derrière, on se fait avoir par tous les points. Alors, vous aurez donc ce fameux service client qui est donc dispo. Maintenant, il n'y a pratiquement plus d'attente. Et grâce à cette offre, vous financez la fameuse banque en ligne qui a besoin de se rentabiliser. Cette fameuse offre ne coûte que 9,90 €. Vous n'êtes pas dans l'obligation de la prendre. Bourse Prime est donc offert pendant un mois. Après, vous payez directement la partie du prix 9,90 € en plus de votre abonnement. Si vous avez déjà une métal ultime, ce qui vous fera à peu près 20 €, en gros, on arrondit à 20 €, c'est 19,80 €. 19,80 € 20 €, c'est un petit peu cher pour une offre métal, mais quand on sait qu'on a plus, si on en fait la comparaison avec la fameuse Néobanque Revolut, on a plus d'options que nous avons chez Revolut, puisque Revolut se veut être la fameuse remplaçante de Boursorama. Et bien là, on le voit très bien, Boursorama nous a sorti une petite Bourse Prime en option qui nous fait bénéficier de tout un tas d'options, comme je vous ai dit, le cashback à 1%, le livret Bourse Plus à 4,85% et le service client dédié pour ces trois options qui sont les plus intéressantes dans ce Bourse Prime et qui auquel Boursorama, elle vous apportera en plus, si vous en faites votre compte principal, des frais quasiment tout ou presque gratuit. Vous aurez donc des livrets d'épargne, livret A, livret DDLS, vous aurez donc du trading de la crypto-monnaie, vous aurez donc des assurances comme l'assurance habitation, l'assurance voiture que vous pourrez avoir, et vous aurez la possibilité de choisir l'une des cartes et qui seront l'une des meilleures banques en ligne avec sa petite confrère Fortuneo. Voilà. Donc, Bourse Prime, je vous en présente un petit peu ici sur le côté comment est Bourse Prime. Il suffit simplement de vous connecter et de mettre dans la partie recherche Bourse Prime. Une fois que vous y êtes, vous choisissez la formule, vous cliquez dessus, vous y êtes abonné puisque vous signez un petit contrat. Vous avez à peu près 3 à 6 jours pour vous désabonner afin de ne pas être engagé pour le mois complet et de devoir payer après ensuite les frais. Et donc, vous aurez accès à ces fameuses options que je vous ai citées. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le fameux Bourse Prime, n'hésitez pas. C'est comme d'habitude sous la petite vidéo. N'hésitez pas non plus de mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner, de venir sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.